Bonjour à tous. Alors merci d'être venus si nombreux. Alors vous inquiétez pas, on m'a expliqué le problème et je vais le résumer tout de suite. Alors déjà, si vous demandez pourquoi c'est pas la bonne musique vis-à-vis du générique, c'est parce que celle-ci est libre de droit. Hein. Ouais, enfin, George Lucas a pas voulu me filer, mais bon, c'est pas grave. Et je vais résumer tout de suite le problème. Alors généralement, dans une architecture logicielle, on va avoir tendance à mettre la logique métier côté back-end. On considère que c'est une bonne pratique parce qu'on ne veut pas la dupliquer chez tous nos consommateurs. Ici, je vous ai représenté un domaine métier qui est celui du voyage, et notamment la réservation de train. Là, j'ai quelques features. J'ai faire une recherche de train qui desserve ma destination, sélectionner un train et un tarif, Select Train with Fare. Donc, imaginez ça comme étant le domaine métier de votre bac. Et bien sûr, ces fonctionnalités, on va avoir tendance à les exposer à nos utilisateurs via nos fronts, dans lesquels il va y avoir une espèce de mapping un pour un entre les features du back et les features du front, bien sûr. Alors, ce n'est pas tout à fait le cas tout le temps, mais ce n'est pas grave. Mais généralement, c'est comme ça. Et le truc, ce qu'on fait tous, c'est que pour faire communiquer le front et le back, eh ben, on va utiliser REST. Et REST, ça n'a que 4 mots de vocabulaire, en gros. Create, Read, Update, Delete. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'expressivité de notre domaine, comme je fais une recherche de train qui vont desservir ma destination, et on va mettre ça sur un create. Et un create, create search. Je crée une ressource recherche. Derrière ça, côté back, bah bien sûr, enfin, reste c'est côté back, mais on va retransformer ça sur l'appel de notre fonction métier qui est je fais une recherche de train qui dessert ma destination. Un autre exemple, par exemple, sélectionner un train et un tarif, bah là, on va mapper ça sur un update. Potentiellement un update de la sous-ressource de sélection dans ma recherche. Mais ça, c'est arbitraire, parce que j'aurais pu aussi dire je crée une ressource de sélection. Et c'est à se demander si on ne fait pas des trucs un petit peu à l'envers. Hein. Parce que vos utilisateurs, ce qu'ils vous demandent, c'est je veux rechercher des trains qui desservent ma destination, encore une fois. À aucun moment, le besoin, c'est de créer une ressource recherche. Et d'ailleurs, je pense que vos product owners, enfin, j'espère pour vous, les user stories ressemblent plus à la première phrase qu'à la deuxième. Sinon, vous avez un sacré problème. Il faut aller chercher le métier, quoi. Et là, ce qu'on peut voir, c'est qu'à cause de REST et ces 4 mots de vocabulaire, on a un problème d'impédance parce qu'on est limité dans ce qu'on peut exprimer. Et ces phrases-là, même si elles sont équivalentes en REST, on voit qu'on perd du sens. Ce n'est pas exactement la même chose. Je crée une ressource recherche et je veux rechercher des trains qui desservent ma destination, vous voyez. Pourtant, la sémantique de REST est là. Et ça, en fait, c'est dû à l'interface uniforme de REST. L'interface uniforme, c'est une des raisons de l'existence de REST, c'est qu'avant les années 2000, pour interagir avec un serveur, c'était un petit peu chaotique. On ne savait pas trop comment faire. Bon, on avait la norme HTTP, mais c'était tout. REST est arrivé et a dit, bon, maintenant, on a des ressources et on va utiliser les verbes HTTP pour gérer le cycle de vie de cette ressource avec le CRUD, en fait, le POST, PUT, GET, DELETE, que vous connaissez tous. Et Roy Fielding, qui est la personne qui a formalisé REST dans une thèse de doctorat au début des années 2000, explique que cette interface uniforme, en fait, va dégrader, par définition, l'efficacité de notre soft. Ça, c'est un extrait de sa thèse, hein, ce que je vous projette là. Il explique que c'est parce qu'on va véhiculer l'information d'une manière standardisée plutôt que d'une manière qui va être spécifique à nos besoins. Donc, en gros, ce qu'il est en train d'expliquer là, c'est justement cette perte de sens. Ce qui fait qu'à cause de ça, on perd du sens métier dans nos applications. Et si ici on représentait l'interface uniforme de REST comme étant le trou noir interstellaire à droite là, et l'astronaute comme étant l'intention métier, et ben dans notre API, ça se fait complètement engloutir. À cause de ce problème d'impédance, on ne va pas réussir à avoir la même expression dans REST que dans le langage métier. Ce qui fait qu'on construit tous des API CRUD, ce qui fait qu'on construit presque tous des backends où c'est que du CRUD dedans. Est-ce qu'il y a des gens qui ont l'impression de faire tout le temps du CRUD? Ouais, quand même. Hein. Une bonne grosse moitié. Je ne me suis pas présenté, je m'appelle Julien Topsu, je suis tech coach chez Shodo. Donc Shodo, c'est une ESN sur un modèle social qui vise à redistribuer le plus de richesses à ses collaborateurs.
et on fixe nous-mêmes nos TJM, et tout est transparent. Je pourrais vous en parler à la fin de la conf, mais ce n'est pas ça qui est le plus important. Je suis là aussi aujourd'hui pour vous présenter une technique ancestrale vieille d'il y a 20 ans qui va vous permettre de ramener dans vos API de l'intention métier. Et chez Shodo, on a développé en fait une start-up qui s'appelle Columbia Express, qui permet de faire voyager les gens entre la Terre et la Lune. Oui, parce qu'on ne savait plus quoi inventer pour toucher le crédit impôt recherche. Bah, comme vous l'imaginez, cette start-up n'existe pas, mais ça va être en fait le domaine métier qu'on va explorer aujourd'hui. Je vais vous faire une petite démo de l'application en question. Donc ça ressemble à un formulaire de recherche que vous connaissez sûrement si vous avez déjà réservé du train, parce que bizarrement, j'ai bossé chez Agencia, filiale d'Expedia, sur de la réservation de train. Et là, en fait, bon, vous voyez qu'on peut faire... j'ai pas le chrono qui tourne, en fait. Hein. Désolé. On peut voir que là, sur le formulaire de recherche, je peux faire soit du one-way, soit du round-trip, donc de l'aller-retour. Je peux aussi sélectionner ma gare, c'est pas ma spatioport de départ, qui est Cap Canaveral, par exemple, et mon spatioport d'arrivée, qui est la Lune Mare Cognitum. Je fais ma recherche. J'arrive ici, alors je vais le refaire parce qu'en fait, je viens de voir que j'ai fait un aller simple. Hop, on va la refaire, tac. Voilà, donc là, j'ai l'ensemble des Space Train allées disponibles que je peux choisir. Outbound, en anglais, ça veut dire aller. Donc ici, pour chacun des Space Train, je peux sélectionner une classe avec un tarif. Donc là, je vais sélectionner la première classe. Ce qui va se passer, c'est que ça va se mettre dans la sélection à droite, là. Et pour l'instant, je ne peux pas appuyer sur le bouton Book. Je ne peux pas réserver parce que ma sélection n'est pas complète. J'ai demandé un aller-retour. En cliquant sur mon train aller, maintenant, ça m'a changé ma UI. Je peux avoir que des trains retour compatibles avec mon aller parce qu'il y a des gestions tarifaires complexes. Là, j'en ai que deux. Inbound, en anglais, d'ailleurs, ça veut dire retour. Donc, je vais sélectionner un retour. Et là, maintenant que ma sélection est complète, bien sûr, je vais pouvoir booker. Et là, vous pouvez voir que grâce à notre startup, vous êtes capable de faire un aller-retour sur la Lune pour 418 euros. Autant dire qu'on ne va pas durer longtemps. Donc ça, c'est le domaine métier qu'on va explorer aujourd'hui, sur lequel j'ai implémenté la technique que je vais vous démontrer, que j'ai utilisée en prod, depuis ça fait un peu plus de 3 ans, sur la réservation de train d'Expedia. Et cette technique-là, en plus de ramener de l'intention métier dans vos API, elle a un side effect technique qui est vachement intéressant. Vous allez voir, c'est la meilleure démonstration de reste que vous avez jamais vue de votre vie. Ben, ce n'est pas une blague. Hein. Mais là, maintenant, vous m'attendez au tournant, donc j'ai la pression. Mais alors, on va revoir ce qui se passe sur le réseau au moment où je fais ma sélection. Enfin, pas ma sélection, mais au moment où j'affiche mes trains aller. Hop. J'espère que c'est assez grand. Là, je vais faire un F12. On va chercher comme ça, sinon ça va être trop long. Et ici, j'ai ma requête qui me permet de récupérer mes trains aller. Donc, je me positionne sur ma recherche, j'ai son ID, j'ai ma sous-ressource Space Train, et là, j'ai un query parameter, request parameter, bound égale outbound, pour dire je ne sélectionne que les trains aller. OK, très bien. Pour aller plus loin, je vais faire la même requête dans Postman. Ça va être beaucoup plus visuel. Ça va être beaucoup plus simple, en fait, pour la suite de la démo. Donc là, c'est la même requête, hein. Là, j'ai bien mon bound égale outbound. Hop, je vais vous montrer le résultat, ça marche. Imaginez maintenant que mon product owner, me dit « Julien, on va ouvrir le marché martien, et avec ça, on va mettre à disposition une nouvelle feature qui s'appelle la multidestination. C'est la capacité de faire des trajets de type Terre-Lune, Lune-Mars, Mars-Terre. Et dans ce type de voyage, en fait, les concepts d'aller-retour n'ont plus de sens. Donc on va changer le modèle métier, on va changer notre API, et au lieu de dire on va sélectionner un bound aller ou retour, on va mettre plutôt un journey index qui sera numéroté, soit. Donc on me demande de changer mon API. Donc je vais le faire tout de suite. Je vais aller dans mon code. Donc là, c'est du Spring Web, mais on s'en fiche, c'est pas très important. Ici, là, j'ai bound, c'est du Kotlin en plus. Je vais changer ça en un journey index de type entier. Donc c'est plus un énum. Bon, je ne vais quand même pas faire devant vous toute la modification du modèle métier. Donc, je vais juste reconvertir ça en un bound. Hop, bound from journey index, journey index. Comme ça, je suis rétrocompatible au niveau de mon métier. J'ai juste cette petite modification à faire. Et je vais redémarrer mon application.
Voilà, R démarre. Donc qu'est-ce qui va se passer en faisant ça? Vous avez une idée? Non, personne? Si je change mon query parameter, qu'est-ce qui va se passer au niveau de mes consommateurs dans l'URL? Comment? Ça ne marchera plus, on va le vérifier tout de suite. Je refais mes requêtes, celle-ci elle est censée passer, elle passe. Hop, on va ouvrir un petit peu. Et ici, je refais celle-ci. Et là, ça ne marche plus. D'ailleurs, il me dit, bah attends, là, tu mets bound égale outbound. Pourtant, enfin, moi, j'attends un journey index. OK, donc on a pété notre API. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans nos consommateurs, si on les maîtrise, ou sinon on va demander aux gens qui les maîtrisent de le faire, c'est qu'on va changer la requête et on va plutôt faire un journey index égale 0. Hop. Et là, ça fonctionne. Fin de la démonstration. Vous êtes contents? On a juste démontré qu'on est capable de casser des API. Bon, en vrai, la démonstration, elle n'est pas là, elle est plutôt là. Mon front est développé en React et je n'ai pas touché du code JS pour l'instant, on est d'accord? J'ai rien touché là-dessus. Okay, le front, il sait pas, enfin, je ne l'ai pas arrêté, il tourne toujours là. Donc je retourne dessus, hop, je refais une requête. Ça va marcher ou ça ne va pas marcher à votre avis? Ça ne va pas marcher. Ben, ça marche. Et on va regarder ce qui s'est passé sur le réseau. Tac. Hop, F5. Et normalement, alors là je vais le chercher parce que ça allait plus vite. Ben, il a été capable de détecter tout seul qu'il devait mettre journey index égale 0. Là, ça a plus de gueule comme démo, non? Merci. Vous voulez savoir comment ça marche? Ah bah. Bah, je vais vous dire pourquoi ça marche. Parce que je suis un informaticien, vieille blague. Merci. Oh, heureusement que je ne vous en vends pas ça, parce que, bon... Non, en fait, c'est grâce à la technique qui va nous ramener de l'intention métier dans notre domaine, dans notre API, pardon. Et on va voir ça tout de suite. En fait, pour moi, il y a quatre grandes raisons pour lesquelles on n'arrive pas à mettre du sens métier dans nos API REST. La première, c'est qu'on a des fausses croyances vis-à-vis de REST. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Là, je reprends ma fonctionnalité qui me permet de booker ma sélection. Donc je sélectionne train aller, train retour, c'est bon, je peux faire book. Ici, vous avez le code de l'interface, enfin bref, book space train form de selection off, je donne le search, ça me crée un objet booking. Donc ça me crée mon booking à partir de ma sélection. Ça, si vous deviez le mapper en REST, méthode HTTP URL, vous utilisez quoi? Post. Et comme URL? Alors plutôt bookings, parce que c'est bookings qu'on va créer. Ça choque des gens, ça, ou pas? Donc on crée une ressource booking, donc post bookings. Parce que là, ça va? Mais imaginez maintenant qu'on a un autre moyen de créer un booking. C'est de prendre un booking existant et de juste changer la date, à une date ultérieure. Donc ça aussi, ça me crée un booking. On est d'accord? Par contre, là, j'ai juste à donner le booking préexistant et une nouvelle date. Et bien ça, si on le map en REST, on le map sur quoi? Comment? Alors, pas update, parce que c'est un nouveau booking. Un create, donc c'est un... Alors, c'est pas un update. Donc ça va être un post aussi sur bookings, parce que je crée aussi une nouvelle ressource booking, ce qui est logique. Cependant, si on regarde un peu plus dans le détail ce qui va se passer, c'est que dans le premier cas, bah, je vais donner un search ID parce que je veux prendre la sélection dans ma search. Et dans le deuxième cas, en fait, pour la même URL, je vais filer un mon booking ID. Déjà, là, j'ai deux problèmes. Le premier, c'est que dans le premier cas, la volonté, c'est que je réserve ce que j'ai sélectionné. La notion de sélection, elle n'existe plus. Je passe juste mon search ID parce que ma sélection est dans mon search. Je n'ai pas besoin de passer plus, vous voyez? Il n'y a pas d'ID pour ma sélection. Elle est à l'intérieur de ma recherche, qui a un ID. Du coup, l'information de sélection, je la perds. Donc ça, c'est pour emphaser le problème d'impédance. Deuxième problème qui est en dessous, le fait de réserver le train à une date ultérieure, bah, j'ai une confusion sémantique avec la requête du dessus. Si vous voyez les payloads, là, aucun moyen de savoir quelle était l'intention du deuxième. Je crée un booking. Mais la différence de use case, elle n'est pas évidente. Vous voyez? Donc ce que font faire les gens généralement dans ce cas-là, c'est qu'ils vont créer une nouvelle ressource qui s'appelle Rebookings. Et ça, ça peut m'aller. Cependant, ça ne va pas dans mon cas. Pourquoi? Parce que si j'écoute les gens du métier, ils vont m'expliquer qu'en fait, réserver est une action et non pas une entité. Je m'explique. En fait,
la réservation, vous pouvez avoir deux moyens pour la créer, par une sélection ou par un booking précédent. Mais une fois que c'est créé, il n'y a plus de différence, ça a le même cycle de vie. Donc, dire qu'il y a des entités booking et rebooking, c'est laisser penser que les choses sont différentes alors que ce n'est pas le cas. Et le problème derrière, c'est que REST ne doit pas piloter votre conception métier. On a dû créer un rebooking là, pourquoi ? Parce que REST est limité dans son expressivité. Si là, on faisait autre chose, comme un message QR, par exemple, sur lequel on lisait le message, on n'aurait pas besoin de faire ça. Et faites attention, parce que rebooking, c'est du pseudo-fonctionnel, et le pseudo-fonctionnel, c'est de la complexité accidentelle. Alors, j'ai une belle histoire que je ne peux pas vous raconter là, où sur quasiment 15 ans, le métier a été obligé, dans mon ancienne boîte Agencia, former les nouveaux du métier sur des concepts qu'avait inventé la tech à cause de ce genre de problème. Autant dire que c'était très confusant et c'était assez le bazar. Mais là, je ne peux pas vous rentrer dans le détail, ce serait trop long. Donc, ne faites pas ça. Moi, ce que je vous propose, c'est de plutôt faire ça, c'est-à-dire s'aligner sur ce que veut faire le client. C'est-à-dire que vous positionnez sur le booking qui veut rebooker et vous rajoutez l'action qui veut faire derrière, slash rebook. Du coup, vous avez une URL comme ça, booking ID slash rebook. Et bien sûr, quand vous créez un booking, on respecte le CRUD, ça va être un post. Et là, en sortie, on aura un booking qui aura la même tête que les autres, qui sera accessible par la même URL que les autres, un get bookings avec son ID. Donc on a deux manières de créer un booking, un post bookings et un post booking ID rebook. Premier cas sélection, deuxième cas rebooking. On sait que c'est un rebooking parce que on le voit là tout de suite dans l'URL, et il n'y a plus de différence une fois que c'est créé. Et peut-être que ça titille certains d'entre vous parce qu'on vous a dit, on n'a pas le droit de faire ça en REST. Il faut utiliser que des noms. Et bien vous savez quoi? Ça, c'est un faux débat. Parce que si vous regardez la thèse de Rolf Feeling, à aucun moment on vous explique comment doivent être constituées vos URL. Je sais bien qu'on utilise tous cette nomenclature qui nous aide avec collection S, avec un ID derrière, ça nous fait un élément de la collection slash sous-ressources. En recherchant d'où ça venait, j'ai pas réussi à trouver, en fait. Et il y a des contraintes qui sont liées à REST, au niveau des URL, qui sont vos URL doivent être uniques, elles doivent identifier qu'une seule représentation de ressources et durer le plus longtemps possible. Par contre, vous les formez comme vous voulez. La contrainte qui reste, c'est qu'à aucun moment, vous devez avoir des verbes dans vos URL qui contrarient le sens du verbe HTTP. C'est tout. Vous ne pouvez pas faire un GET avec une URL qui dit CREATE. Là, ça n'a pas de sens. Parce que là, vous contrariez vraiment le sens HTTP. Mais sinon, à aucun moment, en fait, on vous dit de ne pas utiliser des verbes. D'ailleurs, Rolf Feeling va même plus loin. Il dit que ni le front, ni le back, ni le client, ni le serveur ne doivent savoir comment sont constituées les URL. Pourtant, à chaque fois qu'on développe un front, on passe notre temps à dire bah, « Ok, là, j'ai le searches, je fais un petit append avec l'ID, je vais concaténer un slash sélection derrière, donc je sais comment elles sont constituées les URL. » On fait tout ça ou pas? Ouais. Bah, il explique qu'il ne faut pas le faire. Alors comment ne pas le faire? Bah, ça, on va le voir après. Mais sachez que ça, le fait que le client ne sache pas comment sont constituées les URL, bah, c'est un des secrets du tour de magie que je vous ai montré tout à l'heure. Mais pour vous expliquer un peu plus dans le détail comment ça marche, je suis obligé de vous parler d'un autre problème d'abord. Vous allez voir, c'est des problèmes à tiroir. L'un des problèmes aussi qu'on a, c'est qu'on confond souvent le modèle et le métier. Alors ça sonne compliqué, mais vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Le métier, qu'est-ce que c'est? Placez-vous à la place de l'utilisateur, le process de sélection, c'est quoi? J'ai la liste des trains, allez, l'utilisateur, il en choisit un, et il va cliquer sur le tarif qui l'intéresse. Ça, c'est le métier. Le modèle, c'est la manière dont vous allez modéliser ça dans votre code. Donc moi, mon modèle, il est comme ça. J'ai une classe search, dans laquelle j'ai available space train, donc tous les trains disponibles. En dessous, j'ai un objet sélection dans laquelle je vais stocker en fait des ID. Ça, c'est totalement viable. J'ai plutôt fait ça que mettre des booléens dans ma liste des trains disponibles parce que je ne voulais pas les synchroniser en fait. Soit, ça, c'est pas un problème. Le problème qu'on fait tous, c'est que ça, on va le mapper en un pour un, en REST, en faisant quelque chose comme ça. Si vous ne connaissez pas patch, remplacer ça pour input, c'est quasiment la même chose. Donc on va dire, bah, si tu veux sélectionner un train, tu vas faire patch searches ID sélection. Ça correspond à notre structure de données, vous voyez. Pourtant, ce n'est pas l'intention métier. Parce que
L'utilisateur, ce qu'il veut, c'est sélectionner un train et un tarif, et pas je mets à jour ma sous-ressource de sélection dans ma ressource recherche. Et là, c'est pourtant c'est ce qu'on fait hein, avec cette URL-là. Et de faire ça, en fait, d'exposer cette fonctionnalité comme ça, au pire, bah, si vous n'avez pas d'UX et que le métier n'est pas trivial, vous allez avoir une expérience vraiment déplorable parce qu'elle va être drivée par votre API. Ça n'arrive pas souvent, je vous l'accorde. Au mieux, et ça, c'est quasiment tout le monde, vous allez avoir un front tout beau et un back tout moche. C'est-à-dire que le front, lui, il va être obligé de disposer en fait les résultats de recherche comme veut l'utiliser l'utilisateur et comme la manière dont on s'attend à ce qu'il sélectionne un tarif. Il ne va pas lui dire, vas-y, fais une mise à jour de ta sélection là, dans ta sous-ressource de search. Ce n'est pas ce qu'il fait. Par contre, il va devoir le traduire. Au moment où on va faire la requête sur le réseau pour appeler le back, on va faire cette traduction. Et le back, lui, il est technique orienté modélisation derrière. Donc ça, il y a une adaptation qui est faite côté front et dans tous vos consommateurs. Et vous allez voir que ça va même plus loin, on verra plus tard dans le talk, que c'est encore, c'est en fait, le problème est pire que ça. Mais ce qui se passe, c'est que du coup, on a une complexité accidentelle d'adaptation, parce que cette intention métier qui n'existe que dans le front doit la traduire en une requête REST qui est purement technique, on va dire, ou structurelle, et dans laquelle il n'y a pas d'intention métier. Et ça, c'est dû au fait qu'on expose notre modèle à notre consommateur au lieu de notre intention métier. Ce qu'il faut faire plutôt, c'est que cette complexité-là d'adaptation, la mettre côté back. Comme ça, nos consommateurs, eux, n'ont pas à s'adapter à notre back. Ils consomment notre métier comme, bah, en fait, l'utilisateur. Mais pour voir comment faire ça, il faut que je vous parle d'un autre problème, celui de la trahison de l'encapsulation. Alors là, ça m'a fait très rire, le task manager avec... qui ne répond pas, et Obi-Wan, tu dis, tu n'étais pas supposé les rejoindre, mais les détruire. Alors, l'encapsulation. Il y a quelques années, moi, quand j'ai commencé, on avait tendance à faire des classes comme ça. C'est-à-dire qu'on avait, là, c'est l'objet, hein, mais j'ai méchant, j'ai des getters et des setters. Donc, dans ma recherche, j'ai mon ID, mes critères de recherche, mes trains, ma sélection. Getter, setter, c'est tout. Du coup, toute la logique est à l'extérieur, dans des search utils, des search managers, des booking services. Et c'était un petit peu dupliqué partout. Et ça, on appelle ça un modèle anémique. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce truc-là, mais c'est considéré comme une mauvaise pratique. Et on est en train de violer les contraintes de l'orienté objet. Donc ce qu'on a plutôt tendance à faire maintenant, on revient aux sources, on va réencapsuler les modifications d'état en exposant plutôt des comportements. C'est-à-dire que là, je vais virer tous mes setters, je vais faire un select space train with sphere. Ce qui est très métier au final. Je ne vais pas faire un set de mon train plus un set du code de l'affaire, non. Vous voyez, tout est encapsulé dans Select Space Train with Sphere. Et ça, le domaine driven design nous y pousse beaucoup. Donc on encapsule les états pour exposer des comportements. Et peut-être que certains d'entre vous le font ça ou pas du tout. Ouais, il y a des gens qui le font quand même. Mais les gens qui font ça, quand vous arrivez en REST, est-ce que ça ne se traduit pas comme ça? C'est genre, en fait, vous exposez tous les champs, puis les méthodes, vous ne savez pas quoi en faire. Du coup, à quoi ça sert de se prendre la tête, de faire un modèle tout beau, côté back, alors que ça finit comme ça, et qu'on est obligé de faire du CRUD? Parce qu'en fait, en REST, on fait quoi? On désencapsule les comportements et on expose des états. Machine arrière. Personne n'a l'association de faire ça à chaque fois avec REST? Si? Ben ouais. Donc, est-ce qu'on n'est pas un petit peu schizophrène? Le GIF ne marche pas. Ah si. Mais je ne vous ai pas dit ce qu'était CRUD, en fait. Vous savez ce qu'est le CRUD? Ah, moi, j'ai une définition différente, c'est comment rendre useless le domain driven design. Mais... bah, après, sincèrement, si c'est pour faire des backends qui font du CRUD, pourquoi pas utiliser Postgres REST? Parce que là, vous avez vos tables, le truc est exposé en REST, ça ne sert à rien, en fait. Bah non, en vrai, on a de la logique métier implémentée qui est complexe, donc on ne peut pas mettre ça dans une Postgre. C'est pour ça qu'on fait des back-ends. Elle est là, la plus-value. Et pour vous montrer le problème de la désencapsulation, je vais repartir de cet exemple-là, vous savez, avec le booking-rebooking. Si là, je reviens au mode où j'avais deux fois post-booking, là, pour faire la différence entre les deux, je suis obligé de faire quoi? Je suis obligé de regarder les payloads. Premier cas, je vois un search ID. Ah, je sais que dans ma search, j'ai ma sélection. Ça, c'est sûrement un booking de sélection. Deuxième cas, il y a un booking ID dans mon post-booking. Donc là, je dois rebooker le truc existant.
Et là, on voit bien qu'on a une perte de sens à cause de la désencapsulation. Et je suis obligé de la reconstruire en lisant les payloads. C'est pas naturel du tout. Alors, pour résumer ce que je viens de vous dire, l'utilisateur, ce qu'il fait, lui, c'est qu'il sélectionne son train et son tarif. Côté back, on a tendance à l'exposer comme ça. Post searches ID sélection, je mets à jour la sous-ressource de sélection dans ma search. Et dans le payload, je dis, bah voilà, les trains et les tarifs qu'on sélectionne. Soit. Deux problèmes. Complexité accidentelle d'adaptation, parce que en vrai, bah, ce n'est pas vraiment l'intention métier de mettre à jour une sous-ressource de sélection. Deuxième problème, c'est que je suis obligé de lire le payload pour savoir ce qui se passe, parce que dans ma sélection, je pouvais aussi sélectionner mon siège. C'est-à-dire côté couloir ou côté fenêtre. Oui, c'est ça, côté couloir ou côté fenêtre. Bah, pour faire la différence, je suis obligé de lire dans le payload. Et bah là, on va factoriser tout ça en se mappant sur ce que fait l'utilisateur et ça donne quelque chose de comme ça. Donc on se positionne sur notre recherche, search ID, c'est ce qu'il fait. Hein. Il se positionne sur le train qu'il veut sélectionner, space train number. On se positionne sur le code tarifaire qu'il veut, code sur l'affaire, et le slash select derrière qui nous donne l'intention métier. Et ça, on fait un post parce qu'on crée une sélection. Et là, si vous lisez l'URL, vous êtes tous capables de comprendre ce qui se passe, même si vous ne connaissez pas le domaine. Ça, vous comprenez. Ça, vous avez tous dû lire un petit peu plus pour comprendre ce qui se passait. C'est sûr. Parce que ici, vous avez l'intention métier et pas avant. Et l'avantage de cette technique-là, c'est qu'en plus, vous avez tout dans les URL. Alors, je sais qu'il y a des limites, mais je peux vous dire en prod, sur des cas très compliqués, on n'a jamais eu de problème de limite. Enfin, ça doit exister, mais en tout cas, sur une grosse réservation de train complexe, on n'a jamais eu de problème. Et là, en fait, vous avez une API qui est orientée métier. Et là, peut-être que vous vous dites, alors, et ce qui est bien, c'est que côté back, côté modélisation back, j'ai rien changé, mes classes, elles sont toujours comme ça. Ce qui veut dire que c'est mon contrôleur qui va mapper en fait cette URL sur, en fait, j'ai une sous-ressource de sélection dans ma search. Et c'est plus les consommateurs qui font ça. C'est plus mon mobile iOS, mon mobile Android, c'est plus mon front qui fait ça. C'est vraiment mon contrôleur côté back. Vous voyez ? Et peut-être qu'il y a une question que vous vous posez maintenant. Bah, comment on sait qu'on peut appeler ce type d'URL, hein ? Parce que c'est intuitif quand on le lit, mais c'est pas naturel. Bah pour vous expliquer ça, il faut que je vous parle d'un dernier problème. C'est qu'on a tendance à créer des API anémiques en termes de workflow. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous lister ici tous mes endpoints qui me permettent de faire une réservation complète de train. Premier endpoint, post searches, je crée une ressource de recherche, je file dedans mes critères de recherche. Deuxième truc, je vais chercher la sous-ressource space train et je vais dire je veux que les allées, get sur bound égale outbound. Ok, très bien. Ensuite, je fais une sélection de train. Ensuite, je récupère les retours, encore un autre get sur bound égale inbound. Je sélectionne mon retour et seulement là, je vais pouvoir faire un post bookings en donnant le search ID. Là, en faisant tout ça, vous avez fait un flow complet de sélection. De booking, pardon. Question. Comment vous savez qu'il faut le faire dans cet ordre? Quand vous lisez une API, comment vous savez qu'il faut le faire dans cet ordre-là? Me dites pas Swagger. Vous le faites pas, non Swagger en plus. Il y en a qui le font, mais... Mais en vrai, il n'y a rien. Qu'est-ce qui va empêcher le front, en fait, d'afficher les trains retour avant les allées? Qu'est-ce qui va l'empêcher de récupérer des retours pour des allées simples? Qu'est-ce qui va l'empêcher d'appeler l'endpoint de création de booking alors que la sélection n'est pas complète? Techniquement, rien, puisqu'il connaît les URL. Elle sait comment elles sont constituées, il sait le front qui peut les appeler. Et pourquoi? Bah, c'est parce qu'on ne l'empêche pas, en fait. Parce qu'on crée des API anémiques en termes de workflow. Le front est le seul à implémenter le workflow métier. Et pourtant, le workflow métier, c'est du métier. Ce qui veut dire que ce workflow-là de sélection, vous allez le dupliquer dans tous vos consommateurs, que ce soit un back-end, un client iOS, un client Android ou un front-end. S'il change, vous allez changer ça partout. Je parle en ordonnancement. Et c'est pour ça qu'on a du code comme ça dans nos fronts. C'est-à-dire que pour dire si là je vais afficher mon bouton booking, je vais vérifier est-ce que je suis en aller-retour, est-ce que mon aller est sélectionné, est-ce que mon retour est sélectionné. Si oui, j'affiche mon bouton booking. Pourtant, cette règle-là, n'est-ce pas une règle métier? Si. Donc on voit bien qu'on a du code métier côté front. Alors comment faire? Bah, encore une fois, ça là, on le prend et on le met côté back. Mais comment faire? Comment encapsule le workflow et son pilotage côté back-end? Et bah, pour ça, il faut que je vous parle d'abord du modèle de maturité de Richardson. Est-ce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas ça? Ouais. Alors, c'est une classification des applications REST.
Il y a quatre niveaux. Niveau 0, en fait, vous n'êtes pas REST. Vous faites du RPC, vous faites ce que vous voulez, mais vous n'êtes pas REST. Deuxième niveau, vous organisez en ressources. Très bien. Enfin, level 1, en fait, du coup, parce que là, ça commence à 0, on est des informaticiens. Je n'ai jamais compris ce truc-là. Enfin, il y a sûrement une raison. Niveau 2, on utilise des verbes HTTP pour gérer le cycle de vie de la ressource. C'est-à-dire le POST, le PUT, le DELETE, le GET, vous avez compris. Et là, on s'est tous arrêtés là. Pourtant, il y a un niveau au-dessus qui s'appelle les hypermedia contrôles, et c'est là qu'on va trouver la solution. Les hypermedia contrôles, c'est ce qu'on appelle aussi ATOS. Alors, le nom est barbare, hein. Hypermedia is the engine of the application state. Mais si on se concentre sur engine of the application state, ça sonne un petit peu gestion du comportement, et ça, j'aime bien. Et pour simplifier, qu'est-ce que c'est ? Bah, c'est un système d'URL qui va vous permettre d'exposer des relations entre les objets métiers, de découvrir votre domaine et d'encapsuler votre workflow métier. Et ça, bah, je vais vous le montrer tout de suite, faire une petite démo. Hop. Donc là, je vais retourner dans mon bon vieux Postman. Et ici, vous voyez, j'ai ma requête sur Post Searches, donc je vais créer une recherche. J'ai mon payload où je vais spécifier un spatioport d'aller, de départ, un spatioport de retour, d'arrivée, pardon, excusez-moi. Je spécifie mon heure de départ. J'envoie ça côté back. Et là, si vous vous rappelez ce qu'il y a dans ma recherche, j'ai critère de recherche, train disponible, sélection. Et si vous regardez le payload de retour, j'ai mes critères et j'ai aucun train, j'ai pas de sélection. À la place, j'ai des liens qui sont nommés sur lesquels sont attachés des URL. Ce qui fait que là, j'ai un lien qui s'appelle sélection. Si je le prends tel quel et que je l'appelle sans même chercher ce qu'il y a dans l'URL, je récupère ma sélection. Et là, ma sélection est vide parce que Space Train, il n'y a rien dedans. À partir de là, là, je suis dans ma sélection, j'ai un lien qui s'appelle search, et ben, je vais pouvoir retourner dans ma recherche. Pareil, je prends tel quel, alors je fais des get, hein. C'est automatique dans ce Postman. Vous voyez que là, rien qu'avec Postman, je suis capable de naviguer eh bien, dans mon API. Et là, je suis revenu en fait dans ma recherche. OK. Donc là, navigation, relation entre les éléments. Mais ça va plus loin que ça. Par exemple, je vais pouvoir récupérer tous mes allées. Et là, ce qui est bien, c'est qu'en fait, le back-end a préparé pour moi un petit peu la requête. Parce que si vous regardez dans l'URL, il y a journée index égale 0. Et moi, ce que je vais faire pour eh bien, récupérer mes allées, je vois juste que j'ai un lien qui s'appelle all outbound. Je vais le prendre tel quel. Je fais send, enfin, je fais get dessus et ça marche. J'ai tous mes allées. Mais à aucun moment, je suis allé regarder ce qu'il y avait dans l'URL. C'est pour ça que tout à l'heure, quand j'ai changé côté back, bound égale outbound vers journey index égale 0, aucun impact sur mon front. Le front prend l'URL tel quel, ça marche. J'ai pas eu besoin de changer de code. Alors ça marche pas pour tous les cas, hein. Si vous avez des formulaires, que vous avez besoin de récupérer la data de l'utilisateur, et que c'est gros, ça peut pas marcher ça. Hein. Mais là, en fait, c'est autoporté dans l'URL, ça marche très bien. Du coup, ce qui fait qu'en plus, vous enlevez la complexité à vos consommateurs. Ils n'ont pas besoin de savoir, OK, là, c'est journée index égale 0. En plus, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un autre truc qui s'appelle Only Selectable False qu'il fallait mettre. Mais là, je ne vous ai même pas expliqué ce que c'était. On s'en fiche. C'est pas grave. Du coup, je peux rajouter des trucs, je peux en enlever. S'en fout. Du moment que vous ne changez pas le nom en fait, du lien, ça marche. Donc là, je récupère tous mes allées. J'ai dans mes allées une classe, comme la first class, son montant, et là j'ai un lien de sélection. Si vous regardez comment il est constitué, vous allez retrouver exactement ce que je vous ai parlé dans le talk avant, avec le search select. Donc là, si je prends ce lien-là, et que je fais un post dessus, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, je vais sélectionner mon train. Et encore une fois, j'ai tout fait là, au mode un petit peu clicodrome, tout est autoporté dans l'URL, et là je suis en train d'itérer dans mon workflow. Là j'ai fait une sélection. Je le vois parce que là, j'ai un train aller seulement, j'ai un prix total, et ici, maintenant, j'ai un nouveau lien qui s'appelle Create Booking, qui n'était pas avant. Mon bac a détecté que je suis en allée simple, il sait que j'ai fait une sélection, donc il me propose de booker. Ce qui fait que mon front, lui, il n'a pas besoin d'avoir une logique compliquée de savoir je suis en allée simple, j'ai un seul train, non, je suis en aller-retour, j'ai un seul train ou j'en ai deux. Non, le lien est là, le bouton s'affiche. Le lien n'est pas là, le bouton ne s'affiche pas. Et pour booker, là, hop, juste à faire un post dessus, je book. Fini. Tout un workflow là, et j'ai eu besoin d'une seule fois en fait d'avoir un payload, c'était pour récupérer les informations de l'utilisateur au tout début. Parce que bien sûr, je ne peux pas inventer là où il veut aller, n'est-ce pas? Et je suis complètement stateless. La manière dont j'utilise ma base de données, etc., est la même qu'avec la manière traditionnelle dont vous construisez potentiellement vos API REST.
Parce que tout est sérialisé, en fait, dans le JSON. Au moment où on décide, en fait, il regarde l'état de l'objet, et le back-end, il fait « Ok, bon là, je vais rajouter tel lien, tel lien, tel lien. » Vous voyez ? Donc, tout est stateless. Si j'ai, enfin, là, en fait, comme je n'ai pas vraiment de base de données, enfin, ma base de in-memory, si je l'éteins et je redémarre, ça ne fonctionnera pas. Mais sinon, tout est stateless. Et je vais vous montrer un cas un petit peu plus complexe maintenant, celui de l'aller-retour. Dans l'aller-retour, là, je vais monter le body d'aller-retour. Ici, voilà, j'ai un aller, un retour. Bon, bref. Et si Postman veut bien s'ouvrir, même histoire que tout à l'heure, j'ai que des liens. Bon, dans cette fois-ci, pour la beauté du truc, je vous ai mis un all inbound pour montrer qu'on est en aller-retour. Mais là, je vais sélectionner pareil un train, aller, tac, hop, hop. Là, c'est la sélection, donc c'est pour ça que c'est un poste. Et là, regardez, là, j'ai qu'un aller simple, alors que j'ai demandé un aller-retour, donc j'ai pas de create booking. Donc le bouton create booking, lui, il sera pas affiché en fait dans mon front. Par contre, j'ai un lien qui s'appelle inbound for current selection. Parce que comme je vous ai expliqué, en fait, je ne vais vouloir sélectionner que les trains retour compatibles avec mon aller. Et ça, c'est masqué par ce lien, en fait. Parce que ici, si je regarde un peu plus dans le détail comment est constitué l'URL, j'ai un only selectable à true, alors que dans le all inbound, ça me renvoie tous les retours possibles indépendamment de mon aller, et bien là, j'ai un only selectable à false. Et encore une fois, en fait, c'est pas, le front n'a même pas besoin de voir comment c'est constitué, il y a une sémantique qui est portée par le nom du lien. Il prend le lien, il l'utilise tel quel. Vous voyez ? Et donc là, si je sélectionne cette fois-ci un retour qui va être compatible, d'ailleurs vous pouvez voir que, bon, je peux vous faire la démonstration, mais là j'en ai qu'un seul de retour compatible. Si je prends tous les retours possibles, je vais en avoir plusieurs. Voilà, j'en ai plus. Bon, bref. Mais là, par exemple, ici, où je suis, voilà, si je sélectionne cette fois-ci, qu'est-ce qui va se passer ? Ma sélection sera complète et mon back-end va me proposer de booker. Donc là, je vais avoir un, si j'y arrive, un create booking. Il est où ? Il est là. Et il me propose même un autre lien qui est, maintenant que tu as sélectionné un retour, tu vas pouvoir sélectionner un aller compatible avec ton retour si tu veux le changer. Et je peux même faire un truc un peu plus complexe là. Je me dis, bon, en fait, mon aller-retour ne va pas du tout, le retour ne va pas. Je vais changer d'aller. Donc là, je vais aller dans all outbound. Et là, le only selectable est à false. Donc, c'est-à-dire qu'il va me retourner tous les retours, les allées possibles. Et là, ce qui va se passer si je fais ça, au moment où je vais sélectionner mon allée, regardez ce qui va se passer là dans le lien de sélection. Il y a un reset sélection. Parce qu'en fait, il ne sera pas compatible avec mon retour déjà sélectionné, donc il va tracher ma sélection. Et pareil, cette logique-là, ce n'est pas au front de le gérer. Tout est emporté en fait dans l'URL. Donc si je le sélectionne, vous allez voir que, tac, hop, là, j'ai plus de create booking. D'ailleurs, j'ai plus qu'un seul train, hein, et j'ai plus de create booking. Donc après, je peux continuer et dire, maintenant, je reprends un retour. C'est juste pour vous montrer que dans le cas du retour compatible, là, mon reset selection est à false, et tout est, en fait, sérialisé dans le JSON. À aucun moment, en fait, c'est le front qui a cette logique-là. Hop, on va retourner dans les slides. Donc, 8OS, qu'est-ce que c'est ? C'est un système de liens. Et ces liens, il faut surtout que le front ne cherche pas à comprendre comment ils sont formés. Il les utilise tels quels. Alors, il y a des trucs un petit peu plus complexes. Si vous voulez avoir des formulaires, etc., mais ce n'est pas le sujet là. C'est surtout pour faire découvrir cette technique. Et en fait, en ne cherchant pas à savoir comment sont constitués ces liens, mais en les faisant porter une sémantique, et bien vous offrez un meilleur découplage entre la consommation de votre API et votre modélisation, enfin votre implémentation. C'est pour ça que là, quand j'ai changé bound en journey order, ça n'a eu aucun impact côté front. Donc, ce qu'on a vu, c'est que, en fait, REST, on avait tendance d'utiliser en... Enfin, l'interface uniforme nous a amené ce problème d'impédance. Et il y avait quatre grands problèmes qui nous empêchaient de créer des API orientés métiers. Le premier, c'était qu'on avait des fausses croyances sur la nomenclature. Parce qu'on s'interdit d'utiliser des verbes alors que ça enrichit la sémantique de l'API. Je le répète, la seule chose que vous n'avez pas le droit de faire avec les verbes, c'est contrarier le verbe HTTP. Ensuite, on a tendance à exposer directement notre modélisation. Donc nos classes, ça va être notre structure REST. Et ça, c'est pas bien. Et même des fois, en fait, c'est votre structure de base de données qui est votre structure REST. Si c'est le cas, faites du progress REST, s'il vous plaît. Je caricature.
Donc, au lieu de faire ça, en fait, parce qu'en plus, REST, il y a un truc que tout le monde oublie, c'est Representational State Transfer. Hein. C'est des représentations de ressources qu'on renvoie. Hein. Donc, exposez des représentations de vos ressources, et pas, en fait, toute votre ressource entière. Et des représentations qui sont orientées dans la consommation du métier. Et là, vous reprenez un petit peu de sens vis-à-vis de GraphQL. Hein. Ça, on pourra en reparler après. Donc, exposer des états. On avait tendance, pardon, à exposer les états de nos objets au lieu d'exposer des comportements comme on le fait dans l'orienté objet. Et là, on va pouvoir maintenant le faire grâce à ces liens, en fait. On va encapsuler les comportements. Vous savez, comme le select, là, on va encapsuler ça. Et du coup, en appelant lien, et bah, on a tout ce qu'il faut. En fait, c'est presque comme un appel de méthode. Et ça reste pas du RPC, parce que derrière ce qu'on manipule, ce sont des ressources. Hein. C'est pour ça que le post-booking, là, le create-booking, je fais toujours un post dessus, parce que je crée une ressource. C'est complètement différent du RPC qui, à chaque appel, en fait, va vous relancer une computation, en fait, parce que ça reste bookmarkable, etc., etc. En fait, sur tous les liens, normalement, vous êtes censé respecter le CRUD REST que vous connaissez. Alors, vous n'êtes pas obligé d'implémenter toutes les méthodes HTTP. Et dernier problème, c'est qu'on avait une définition de workflow inexistante dans notre API. Et là, vous avez vu qu'avec ce jeu de j'expose mon lien, j'expose pas mon lien, selon si, bah là, est-ce que je suis dans le bon état, c'est-à-dire, j'ai sélectionné un aller simple, enfin, un aller seulement dans mon aller-retour, ok, bah, le lien de booking, il n'est pas là. Donc même si, d'habitude, vous pouvez savoir quelle est l'URL à appeler, en fait, le fait que le lien n'est pas là, vous interdisez le faire. Vous le faites que si le lien est là. Et donc ça, encore une fois, l'utilisation des TES va nous permettre de piloter le workflow côté back. Tout ce que je suis en train de vous dire est très vrai, bien sûr, si vous avez des back-ends qui font du métier. Hein. Si vous avez des back-ends qui font, je sais pas quoi, des trucs purement techniques, boilerplate, de transcodage, et qu'il n'y a pas de métier, oui, effectivement, ça sert à rien. Voilà. Ça pourrait avoir une utilité, hein, mais c'est plus challengeable. Et grâce à tout ça, eh ben, on va récupérer notre petit astronaute et notre intention métier dans nos API. Donc si vous voulez voir le code du repository en Kotlin, Spring Boot, Spring 8OS, vous pouvez scanner ce QR code, et pour ceux qui me connaissent, il n'y a pas de piège. Et je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions? On a une minute pour des questions. Oui. D'accord. Donc la question, c'est comment on fait pour choisir le verbe HTTP selon les liens, en fait. Première méthode simple, c'est mappez-vous sur le CRUD classique. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai mon create booking, vous créez une sélection, enfin, vous créez un booking, vous savez que c'est un poste. Mais des fois, c'est plus complexe que ça, notamment pour la sélection, là, tout à l'heure, le slash select. Et bah, sachez qu'en fait, ce que je vous ai présenté là, c'est une représentation des liens qui s'appelle HAL, mais il y en a plusieurs. Il y a celle de PayPal qui va vous permettre, en plus, à côté du lien, de mettre le verbe HTTP à utiliser. Mais il y a quelque chose qui remplace ça et qui est assez nouveau, qui s'appelle les affordances, qui va vous permettre, en fait, avec un content type différent que celui que vous utilisez d'habitude, demander comme une description de l'API, et à côté, en fait, du lien, c'est comme s'il vous décrivait ce qu'il fallait faire. Donc il va vous mettre la méthode HTTP et potentiellement les paramètres de la requête. Ça, je ne vous l'ai pas montré parce que c'est assez complexe à mettre en place, c'est assez lourd, mais c'est possible. Si tu cherches affordance, en fait, tu vas trouver, ou sinon, il faut regarder dans la représentation des liens, au lieu d'utiliser HL, il faut utiliser un autre truc. Et là, on a fini, désolé. Mais si vous voulez poser des questions, je suis encore là, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Et oui, surtout, donnez-moi du feedback, s'il vous plaît. Si vous pouvez noter le talk, vous mettez la note que vous voulez, hein. Mais c'est vraiment très utile pour moi, si vous pouvez noter le talk. Merci.